Anglais, euro, ça va être la matière où on va faire le lien entre toutes les autres disciplines. Par exemple, on va étudier la biographie de grandes personnes historiques pour l'histoire des Alpes. On va travailler sur les sports nationaux européens dès la rentrée. Est-ce que vous voyez encore un pays qui a une frontière avec l'Allemagne? Vous allez être donc du coup dans le rôle des personnes qui décident le niveau européen. Dessinez tout ce que vous voulez qui répond à la question à votre quel défi écologique, quel défi vous voyez en matière d'écologie sur le continent européen. Ah, faire des grosses poubelles. Cet été, il y a eu d'énormes incendies. Dans le Var. Où ça? Dans le Var. En France, tout à fait. Alors, qui êtes-vous? Quel est le nom de votre groupe? On est le PPE. On est l'extrême droite et en fait, on est contre toutes les propositions venant de l'Europe. Les Républicains. Les Républicains, exactement. Nous sommes des socialistes démocrates, oui. SED. Bonjour, quel est votre projet et quelles modifications allez-vous faire? Alors, on va essayer d'interdire l'article 4 parce que nous, c'est pour toute l'Europe et ça, c'est pour que quelques États. Ils en pensent quoi? Bah, on pense que pour l'article 2, la vente, c'est par les États membres et pas par la Commission européenne. Vous avez été approché par un certain nombre de lobbyistes qui représentaient leurs intérêts. J'ai cru apercevoir des lobbyistes qui représentaient des agriculteurs ou des apiculteurs qui défendent les abeilles. Ivan David, oui. Moi je suis de quel groupe? Du parti du groupe politique extrême droite. Je suis contre parce que qui dit financer dit utiliser de l'argent. De quel groupe politique s'il vous plaît? SED. Oui. Et en gros, la limite, l'argent, c'est pas le problème numéro un, parce qu'on peut augmenter les impôts. Si on augmente les impôts, les citoyens ne seront pas contents, mais on pourrait plutôt, une fois qu'on aura fini ses études, on aura plus de fruits et légumes, du coup, on pourra gagner plus d'argent. Monsieur Loukovitch, de droite, si vous faites payer plus les citoyens, vous croyez qu'ils vont être contents? Ça va amener à des manifestations, à plus de violence. Donc il faudrait éviter l'augmentation des impôts. Qui est pour? Levez le bras s'il vous plaît. Qui est pour cette proposition de financer des études plus sérieuses avec toutes les conséquences que l'on avait vers 9 et 4, 13. 13 pour. Qui vote pour le fait d'interdire tout cours de l'utilisation, que ce soit sous serre ou hors des serres? 9 pour. Qui s'abstient? 2, très bien. Qui vote contre? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Contre 14.